Les divers dépassements de corps, Irimi, Tenkan, Taino Enka, Ushiro Taisabaki, Sugihashi et autres, sont à la base de nos déplacements en Aikido. Ils accèdent pleinement à leur dimension à travers l'idée de pouvoir optimiser leur utilisation dans le but de rétablir une situation à notre avantage. Pour moi, les taisabaki sont intimement liés à la perception des hanches et à la notion d'atemi, qui nous permet entre autres de fixer la limite de nos actions. D'aspect souvent circulaire, les taisabaki reposent sur la compréhension de la position ami, qui en est un des fondements. Ils peuvent s'inscrire de manière efficace dans le plan grâce à une perception claire de l'horizontale et de la verticale et nous donner ainsi la perspective de notre espace.